Привет et d'abro pajalavat, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Will Mastro Reaction pour une réaction où on va partir en Russie et ça me fait extrêmement plaisir parce qu'une amie très proche, elle se reconnaîtra, m'a conseillé celle-là depuis un bout de temps et parce que je suis un andouille, je ne l'ai pas programmé avant donc j'espère que vous m'en excuserez par avance. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on va se diriger vers Oleg Gasmanov. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas, je vais mettre une petite fiche ici avec sa chaîne YouTube. Et sinon, si jamais c'est bloqué, n'hésitez pas à descendre dans la description. Le premier lien, c'est toujours sa chaîne YouTube. Le deuxième lien, c'est le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. Pardon, parce que là, il fait vraiment très chaud. Donc, nous allons nous diriger sur la chanson. Attention, je vais essayer de bien prononcer. Attention. Afitserei. Donc, Afitserei, pardon. Voilà. Donc, on va se diriger. Alors, ça veut dire officier, peut-être. Alors, ne me tombez pas dessus, sinon, on y va. Non, je plaisante. Je plaisante, je plaisante. Non, vous pouvez me tomber dessus. J'essaie de faire les efforts possibles. D'ailleurs, des personnes le savent, ceux du groupe Telegram, parce que n'hésitez pas, dans la description, je vais vous mettre le texte de cette chanson. Donc, ne dites pas, je n'ai pas compris, pour les non-russophones, le texte, je les mets tous dans la description. Donc, je ne veux pas entendre, ah, mais j'ai pas compris, allez dans la description. C'est pas vrai. Incroyable, ça. C'est pas possible. Faites l'effort. Pas vrai ça. Donc n'hésitez pas dans la description, il y a mon Telegram et mon PayPal. Ah, je vous ai eu là. Même eux ils sont fait avoir, ils ont dit Telegram. Donc j'espère que vous allez apprécier. On est parti. D'ailleurs, on avait réagi à une cover de Shaman sur une de ses chansons. Alors là, c'est une de ses chansons parce que les paroles sont de lui. Donc prêtez attention à ce qu'il va nous dire. Le texte est dans la description, donc ne dites pas que vous n'avez pas compris. Hein. Donc, ok. Donc, le mieux, vous la lancez, vous arrêtez, vous mettez le... Enfin, je ne sais pas comment vous faites, vous débrouillez. Vous débrouillez, il y a le texte. Voilà. Donc, bonne écoute à vous. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur la chanson Afitserei d'Oleg Gasmanov. Офицеры, по натянутым нервам, я аккордами веры эту песню пою. Тем, кто бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей, я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицер!
господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах? Ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали? Не смогли уберечь их, и теперь они вечно в глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах. Позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Да куда ж вы уходите? Может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Lâchez-vous, n'ayez pas peur. Sauf si vous êtes irrespectueux vis-à-vis de l'interprète. N'hésitez pas, si vous avez aimé, mettez un pouce. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. Si, n'oubliez pas de cocher la cloche des notifications, c'est important pour avoir le retour de tout ce qui peut sortir. Alors, je vais dire exactement ce que je pense, franchement, honnêtement. Je vais être honnête du plus profond de mon cœur sur toutes les chansons qui vont se produire. Regardez-moi bien, dans les yeux, j'ai adoré l'interprétation d'Aleg Kasmanov là-dessus. En ayant vu le texte avant, alors c'est une chanson qui parle d'honneur des officiers. Alors,
En gros, hein, si on cherche un petit peu, qu'ils ne fassent pas leur réussite sur le sang des soldats. Et c'est pour ça, je dédie cette chanson à une amie très proche. Elle va le savoir pour qui c'est, qui a son fils qui est aussi là sur le terrain. Et franchement, je lui apporte tout mon soutien, honnêtement, depuis la France. Voilà. Donc, franchement, je suis touché par ce texte et je comprends l'état du public complètement en pleurs par rapport à cette chanson. Parce qu'ils ont dû ressentir exactement la même chose en perdant un de leurs proches qui est sur le terrain. Alors, dites-moi si je me suis planté dans mon ressenti. Je n'espère pas. Donc. Oleg Gasmanov, non, pardon, Alek Gasmanov, j'ai beaucoup apprécié. Il a une voix très cassée et son interprétation a été très, très juste, Enfin, c'est venu de son cœur, c'est venu de ses tripes. Voilà, c'est lui qui l'a écrit, le texte en plus. Et ce qui est super agréable, c'est que le public a chanté à sa place. À un certain moment, ce que je peux comprendre. Donc là, effectivement, j'espère que vous avez apprécié. C'est un cadeau spécial pour vous, tous mes amis russes, mais ce message aussi pour mon ami russe. Voilà, j'ai une amie russe. C'est voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve. Ah, je. Effectivement, quand les textes sont un peu plus. C'est pas évident. C'est pas évident parce que le texte, on le lit avant. On essaie d'y. Alors peut-être que je me suis mal imaginé, hein, dites-le moi. Donc on se retrouve demain pour les deux prochaines vidéos à 15h. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, surtout, c'est vraiment le plus important. Prenez soin de vos proches, prenez soin. De tous ceux que vous pouvez aimer et qui vous peuvent vous aimer, c'est aussi important parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais, une personne que vous ne connaissez pas peut tomber amoureux de vous et tenir énormément à vous. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne matinée, après-midi, soirée, peu importe quand vous voyez cette vidéo. Je vous aime vraiment tous très fort et on se retrouve demain. Je vous aime. На разрытых могилах ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их. И теперь они вечно в глаза нам глядят.